station. Enfin, une vraie ville, digne de ce nom avec des gratte-ciels. C'est full beau. Fait que là, on vient d'arriver, on va manger où? Chez Freshie Again. Freshie Again. Parce que c'est trop bon. On s'est rendu compte qu'il y en avait partout au Canada. Partout qu'il y en a, même à Montréal, puis on le savait même pas. C'est un brand genre vraiment bon, fait que c'est là qu'on va manger. Puis après, on s'en va au HI de Calgary. Fait qu'on va aller tester ça, mais avant, on va manger. On vient d'aller manger dans un petit restaurant qui, de l'extérieur, avait l'air d'être vraiment sketch, mais qui, quand on rentre à l'intérieur, il y a deux personnes qui vous accueillent, qui sont les propriétaires, qui sont juste adorables. Ah, une expérience humaine qui était comme fourrée, puis la nourriture était super bonne, style un petit peu indien. Moi, j'ai pris le paneer tikka masala, puis lui, il a pris la poutine masala aussi, je pense. En tout cas, il a pris une poutine, puis c'était super bon. Puis on voulait juste prendre à emporter parce que c'était le moment où ça fermait. Puis les propriétaires nous ont dit non, restez, c'est correct, on va jaser avec vous, puis on va prendre le temps d'apprécier votre repas avec vous. Puis ils nous ont raconté leur histoire, ils nous ont raconté ce qu'ils cuisinaient, ils nous ont raconté tout un tas d'affaires, puis c'était super cool comme expérience. Puis honnêtement, je vous recommande fortement d'aller au Veg Inn. YYC, pour le prononcer en français. Ça vaut vraiment la peine, c'est un restaurant végétarien / vegan. Puis c'est super bon, ça nous a coûté 16$ chacun avec un repas et un dessert. Puis ils nous ont offert un petit smoothie au chocolat, plus un petit chocolat vegan aux fruits qui était super bon. En tout cas, super belle expérience, ça clôture super bien la journée. Puis on est vraiment très très contents. Puis là on retourne au HI de Calgary pour manger le dessert et profiter de leur jardin puis de la petite ambiance conviviale de l'auberge. Ouais. Imagine what we could.
guess happy days manifest. Let's stand together, put a smile on our faces. Bon matin, c'est notre première vraie journée à Calgary. Aujourd'hui on s'en va visiter la ville au complet. Puis ce soir on part pour Kenmore, puis c'est là où l'aventure va vraiment commencer. Parce que c'est là où on va aller dans les rocheuses canadiennes, les célèbres rocheuses. Puis c'est là qu'on va commencer à faire toutes nos randonnées, toutes nos activités plein air à 100%, puis on va triper. Mais pour le moment, il faut qu'on dise bye à notre super belle chambre du Edgehill de Calgary. On va dire bye au lit, genre full confortable, puis full grand qu'on a eu pour une nuit. C'était agréable d'avoir beaucoup d'espace. Parce que pas, le van est quand même petit, mais ça fait du bien d'avoir son lit avec son espace. L'auberge, quoi dire sur l'auberge, c'était une super belle auberge, full rénovée, full high-tech, full nouvelle. Puis ce que j'ai adoré, c'est que Jason, qui est le manager de la place, nous a accueillis vraiment comme des rois. Ça s'est super bien passé, il a pris le temps de nous faire visiter toute l'auberge, puis de nous parler de tous les trucs à voir dans la ville. Fait qu'aujourd'hui on a un petit itinéraire grâce à lui. C'est une super belle ambiance qu'il y a ici, c'est une auberge de jeunesse qui est quand même assez relax. Et malgré qu'on soit dans une zone où il y a plein de buildings, mais étonnamment c'est quand même très calme, fait que c'est quand même assez agréable. Fait que définitivement une auberge à essayer, puis à recommander à ses amis, puis à faire un petit break pour revenir visiter Calgary. On espère revenir très vite ici pour de nouvelles aventures peut-être d'ici quelques années. Puis là, on part pour l'aventure, pour le street lifestyle. C'est parti! Full stop. Can't believe I live in your thoughts. About you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Bon, changement de plan pour aujourd'hui. On a trouvé un petit bébé lapin quand on faisait la trottinette électrique pour visiter la ville. Puis ce petit bébé est blessé, fait qu'on essaye de trouver un vétérinaire pour pouvoir le sauver. Puis ça, c'est au lieu de visiter la ville, ben on essaie de sauver un animal, ce qui est mieux entre guillemets. Mais on espère vraiment que ça va aller. Il est blessé à la tête. Puis c'est ça, on est un petit peu inquiet. Fait que c'est pas mal le plan pour le moment. Puis après, on verra. Fait qu'on vous tient au courant. That I love you. Ooh, ooh. Petit update, le lapin va bien. Apparemment, il se serait fait attaquer par un autre animal. Le vétérinaire chez qui on l'a emmené va le stabiliser, puis le soigner, le nettoyer, tout ça. Puis c'est ceux qui sont en charge des animaux sauvages au Calgary qui vont venir le chercher. Ils vont s'en occuper, ils vont lui faire la petite opération pour lui recoudre le dessus de son crâne. Puis si tout va bien, il va être remis là où on l'a trouvé pour qu'il puisse retrouver sa petite maman. Fait qu'il va être réhabilité dans son espace naturel, tout ça. Fait qu'on est quand même très content. On a eu une petite montée d'adrénaline, on avait vraiment peur qu'il meure. Mais il va bien, puis c'est le principal. Fait qu'on retourne à la visite de Calgary, puis on a fait notre petite mission karma de la journée. That I love you. Aujourd'hui, on n'a pas pu visiter la ville comme on voulait. De 1, parce que j'ai perdu le cache de mon appareil photo qu'on a mis pratiquement une demi-heure à retrouver sur le chemin où je l'avais perdu. De 2, parce qu'on a sauvé un lapin qu'on a trouvé sur le chemin où on cherchait le cache de l'appareil photo. Et ça nous a pris du temps.
mais tout s'est bien fini, il va bien. Ensuite, on a été à un festival de nourriture où on a rejoint Claire et Jérémy, qui sont deux nomades qui voyagent en van aussi, puis qui sont français, et avec qui on a passé toute l'après-midi, fait que c'était vraiment le fun. Puis ça fait depuis un petit bout de temps que j'ai suivi sur Instagram, puis on s'est rencontrés à 2-3 reprises quand j'étais à Montréal, fait que c'était comme très très drôle de se croiser à Calgary alors qu'on s'est vu au Québec. Fait que ce soir, on les rejoint à un spot près de Kenmore où on va dormir tous ensemble. On va se prendre un petit souper, des petites bières pour bien finir la journée. Puis demain, on visite Kenmore avec eux. Puis là, l'affaire, c'est qu'ils annoncent 4 jours de pluie, 3-4 jours de pluie. On ne sait pas à quel point ça va être une grosse tempête ou pas. Le problème, c'est que durant ces 4 jours-là, on avait 2 grosses randonnées qui sont prévues. Fait qu'on va voir comment le temps va évoluer, savoir si c'est dangereux ou pas de les faire. Puis si tout est correct, on s'embarque là-dedans même s'il pleut. Puis si c'est trop dangereux, ben, on va se trouver un plan B quelque part. Mais pour le moment, c'est de la petite pluie. Fait que ciao le soleil qu'on a eu depuis 3 semaines. Et bonjour le temps mouillé et humide. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire. Bon, nouvelle péripétie de la journée. Yeah, on vient de crever. Mais c'est pas si pire, on n'est pas perdu au milieu de nulle part. On est à 10 minutes de Kenmore. Fait que là, on vient de regonfler comme on pouvait le pneu. On espère qu'il va tenir jusqu'au Canadian Tire parce qu'on est samedi et que tous les garages sont fermés. Puis on va essayer de faire de quoi, puis de s'arranger. Puis une chance qu'on a Claire et Jérémy qui sont avec nous parce qu'ils nous aident beaucoup dans ce petit accident qui nous est survenu ce matin. Puis c'est ça. Fait que là, c'est la mission, c'est réparer le pneu. Puis après, si tout va bien, aller prendre un café, relaxer, oublier ce qui s'est passé. Puis visiter la ville de Kenmore. Fait que c'est pas mal. Un bon début de journée. Un très bon début de journée. When I was young, I thought control would lead me to an ending road. And heavy metal seemed to be the only thing that was for me. And I saw the angels coming down, and they sang a song and sang it loud. And I still remember parts of it, and the yellow glory as we lit. Won't you be my guide and let me follow? Can I hold your hand for old time's sake? Fait que là, on est à un stationnement de food market où on va passer la nuit. Puis tout aux alentours, on a les montagnes couvertes par les nuages. Fait que c'est super beau, super magnifique. Puis on est sur le spot, clairement, où il y a tous les vannes. Comme vous pouvez le voir, là, c'est toute une rangée de vannes, de gens qui vivent la van life qui sont là. Puis honnêtement, l'Alberta, c'est la première province qu'on croise avec autant de vannes. Genre, Ontario, il n'y avait personne, Saskatchewan, il n'y avait personne, Manitoba, il n'y avait personne. Puis là, l'Alberta, c'est la place où tout le monde vient avec son van. Fait qu'on a un petit peu peur d'être tout le temps envahi par les zones où on va aller dormir. Mais d'un autre côté, ça permet de rencontrer des gens vraiment le fun, dont Jérémy et Claire, encore une fois. Fait que c'est vraiment, vraiment cool de voyager en van. Puis demain, le programme, c'est on se lève à 3h45 du matin pour partir à 4h et arriver à 5h à une randonnée qu'on veut commencer et qui s'appelle le Tent Ridge. Ça prend à peu près 6 heures de marche, puis on veut faire ça quand il n'y a personne.
Fait que demain matin c'est une grosse journée, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que le temps va être avec nous parce qu'à date il prévoit de la pluie, puis là il est 20h puis je vais me coucher. De retourner à notre campement que je vous avais montré hier soir avec tous les vans qui est un peu partout à Kenmore, qui est juste derrière le grand magasin Save on Food. Puis ce soir c'est notre dernière soirée à Kenmore, demain on s'en va à Banff, puis aujourd'hui la randonnée qu'on a faite était juste malade. Ça nous a pris 6h30 en tout, dont deux fois 10 minutes de pause, puis une fois 30 minutes de pause, puis en tout c'est ça, ça faisait 6h30. Malgré le temps qui était très couvert, on a vraiment profité. La vue était super belle. Puis avec les nuages, ça donnait un petit côté mystérieux. Puis tout ça. Fait que c'était super beau. Elle est assez intense, un peu quand même. Surtout qu'il y avait des moments où il fallait qu'on grimpe sur la roche. Puis t'avais le vide qui était derrière toi. Fait que fallait t'assurer que tu tombes pas. Mais sinon, en vrai, elle était super belle. Puis c'est vraiment, à date, une de mes randonnées les plus coup de cœur que j'ai eu du Canada. La première étant à Charlevoix que j'avais faite. Mais elle était vraiment, vraiment super belle puis magnifique. Ça a été 6h30, un peu intense, mais qui en valait super bien la peine. Puis c'était la plus grosse randonnée que Gab ait jamais faite. Puis ça en est super bien sorti, honnêtement. Je m'attendais pas à ce qu'il s'en sorte aussi bien, surtout que ce matin, quand on a commencé, bah, il allait pas bien. Donc il a fait ça comme un pro, puis il a trippé, fait que il est comme prêt pour la randonnée de demain qu'on s'en va faire. Demain, la rando qu'on s'en va faire, c'est à peu près 8 heures aussi. C'est un loop, ça s'appelle le Corey Pass et le Edith Pass. Soit vous les faites séparés, soit vous les faites ensemble. Nous, on a décidé qu'on ferait le circuit, combiner les deux, parce que ça fait un petit 8 heures, puis ça va être super chill. Le seul problème, c'est que demain, il pleut vraiment intense de ce qu'on a vu. Mais on a décidé de la faire pareil, puis on verra ce que ça va donner. Mais ça va être une expérience peut-être agréable ou peut-être pas, dépendamment de à quel point on est fatigué ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment marché, puis la descente était assez intense. On s'est posé dans un petit café pour reprendre des forces. Puis là, en ce moment, j'attends que Claire et Jérémy de Sound Wave on the Road reviennent. Puis c'est notre dernière soirée, je pense, qu'on passe avec eux. Ils étaient super adorables. Puis ça a fait vraiment plaisir de rencontrer ces deux personnes-là qui ont un talent fou pour la photographie, puis qui sont passionnés comme nous par les animaux, puis l'éco-responsabilité, les zéro déchets, tout ça. Fait que c'était vraiment nice. Puis on va leur dire bye. Ou peut-être qu'on les recroisera plus tard sur la route. Puis demain matin, encore réveil à 5h. Puis randonnée et Banff, la ville de Banff qu'on attend depuis super longtemps. Fait que c'est pas mal ça pour le programme. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations of. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Bon matin, on a changé nos plans pour aujourd'hui. On devait aller faire la randonnée du Corey et Edith Pass. Mais il pleut vraiment trop intense. Puis hier soir, j'ai commencé à pas très bien filer avec mes reins.
Fait qu'on prend ça relax pour aujourd'hui, on s'en va directement au HI de Banff, qu'on va passer la nuit ce soir, puis on va visiter la ville de Banff, puis on va vraiment prendre ça très 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 relax. Puis demain on fait la grosse randonnée, puis demain soir on s'en va au HI de Lake Louise, puis après on ira faire la randonnée du Lake Louise, puis la randonnée du Lac Moraine, qui sont les deux plus populaires à faire. Puis pour ça, ça va nous prendre de se lever ultra tôt pour éviter tous les touristes. Fait que petite journée pour aujourd'hui, puis demain c'est la grosse journée à Banff. Oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. All the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. En ce moment dans la chambre au HI de Banff. Aujourd'hui ça a été une journée ultra dure puis ultra fatigante. Je suis vraiment à bout physiquement parce que j'ai été malade toute la nuit d'hier à cause de mes reins qui m'ont fait mal. Pour ceux qui me suivent depuis un bout, j'ai des pierres aux reins depuis que je suis partie au Népal. Puis j'ai les reins qui sont un peu fragiles. Puis vu qu'on a fait la randonnée du Tent Ridge hier, j'ai beaucoup transpiré, puis j'ai vraiment pas beaucoup bu, fait que ça a quand même vraiment beaucoup joué sur ma santé. Surtout que depuis qu'on est parti en voyage, je m'hydrate pas vraiment comme du monde, alors qu'il faudrait. Fait que le combo a fait que j'ai eu mal à mes reins hier soir. Je suis tombée malade aussi parce que j'ai mangé un truc trop épicé. Fait que ça fait que mon corps s'est un petit peu affaibli. Puis aujourd'hui, vu qu'il pleuvait, on n'a pas fait la randonnée qui était prévue. On a été visiter Banff. J'ai été un peu déçue par Banff d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était, malgré que ce soit très joli, c'est une super belle ville, puis avec les montagnes et tout, c'est magnifique. Il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de monde, beaucoup trop de touristes. Ça en devient désagréable de marcher dans les rues. C'est vraiment comme l'attraction pure et dure pour que tu dépenses de l'argent envers les marques de plein air. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ça enlève un peu tout son petit cachet montagnard. Mais mis à part ça, l'auberge jeunesse, qui aussi est très grande, a l'air d'être super sympa. On est arrivé, on a rencontré Lewis, qui est l'assistant manager de l'auberge, puis qui nous a super bien accueillis, qui nous a montré l'auberge un petit peu, qui nous a raconté l'histoire aussi avec Ken, qui est le manager, lui, de l'auberge. Puis on a fait un petit tour, c'était super beau. Puis là, on est dans notre mini chambre, où on va passer la nuit. On a juste une nuit, puis demain, on s'en va au HI de Lac Louise. Mais c'est une super belle auberge et ça prend à peu près 2 à 3 mois si vous êtes chanceux pour réserver ici parce que c'est full populaire. Fait que durant la période où on est en ce moment, comme là c'est booké puis il n'y a aucune place de libre. Fait qu'il faut vraiment être chanceux si mettons on arrive sur le moment puis qu'on veut une chambre ou un lit. Si demain matin tout va bien, on fait la randonnée. Si ça va pas, on prend ça relax puis on va voir des lacs puis on fera la randonnée un autre jour. Mais ça, j'essaie de me reposer, de reprendre des forces, mais là c'est le premier down du voyage, puis j'avoue que je suis épuisée, puis que
je suis plus capable. Genre mes reins m'ont vraiment fait mal, puis c'est quoi, j'ai pas passé de pierre à proprement dit, mais je suis assez épuisée de voyager un petit peu en van, puis d'enchaîner un petit peu chaque journée de sport, tout ça. Fait que c'est le fun de voyager en van, mais c'est un peu fatigant. Surtout quand, comme moi, on a une condition physique qui est pas au top top. Donc c'est ça. Fait que repos, puis on va voir ce qui va se passer ce soir, mais sinon demain est une autre journée. Il est 6h30 du matin, on est au Cory Pass, on a 15 km de rando à faire. Je me sens beaucoup mieux que ce que j'étais hier soir. Le fait d'avoir dormi, ça fait vraiment du bien. Puis je pense que la randonnée va être exceptionnelle. Bon matin, ce matin à 6h, nous avons été voir le lac Louise et le lac Moraine. Puis c'était toute une expérience. Il y avait du monde en titi, comme on dit au Québec. Il y avait vraiment énormément de monde. On capotait juste ce parquet, c'était l'enfer. Puis t'arrives, il est quand même 6h du matin, les deux lacs sont super beaux. Puis t'as du monde partout avec leurs caméras, ça nous a comme écœuré. Puis on savait qu'il y avait des hikes à faire autour qui étaient super beaux. Puis ça nous a tellement écœuré de voir tout ce monde là qu'on a juste fait demi-tour, on est retourné à l'hôtel, puis on est parti se recoucher. Gab est épuisé, il a besoin de se reposer assez intense. Fait que là je vais lui chercher un café, ça va lui faire du bien. Je m'en vais me balader un petit peu dans le downtown du lac Louise, puis on va voir ce que ça va donner pour le restant de la journée. Il est supposé faire beau aujourd'hui. C'est un petit peu couvert pour le moment, fait que j'espère que ça va comme se dégager un petit peu. On a spoté un lac où on va aller faire du paddleboard. Puis pour le reste de la journée, on va voir. Puis tantôt, ben ce soir, on va voir le prochain hostel qui est le HI Athabasca, où on va passer deux nuits. Puis j'ai hâte de voir ça parce que ça a l'air d'être des petites cabines vraiment cute au milieu de la forêt, fait que j'ai ben hâte de voir ces auberges. It up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna.
feeling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here, wild and free. They say we're crazy, it's too much. Crazy, deep in love. Oh. Oh, this is everything. With you right next to me, so alive. And tonight I'm thinking that I don't wanna go. On est en ce moment sur la route qui relie le parc de Banff au parc de Jasper. Puis c'est à peu près une route de 2 heures. C'est la route la plus populaire de l'Alberta. C'est magnifique, il y a des montagnes partout. C'est assez impressionnant de se dire qu'en Alberta, il y a toute cette chaîne de montagnes. Puis que Saskatchewan, Manitoba, puis Québec, on les a pas. Mais c'est super beau, puis on en profite vraiment beaucoup. Ce matin, on s'est levé super tôt, comme je vous l'avais dit tantôt, pour aller au lac Louise puis au lac Moraine. Deux grosses déceptions, surtout de voir qu'il y avait autant de touristes, ça rendait l'expérience comme vraiment pas agréable. On sait qu'il y avait des trails à faire autour, on sait qu'il y avait plein de trucs à voir, mais on a tellement été dégoûtés qu'on a décidé de juste comme skipper puis d'aller voir ailleurs. On est retourné à l'auberge, on a dormi un petit peu. Puis on est parti vers 11h pour faire un petit détour en Colombie-Britannique pour aller au parc de Yoho, parce que c'était juste à côté, on était comme à peine à 30 minutes. Donc on a décidé de tricher un peu puis d'aller de l'autre côté de la frontière pour la Colombie. Puis c'était super beau, on a vu le lac Emerald. C'était génial, il y avait beaucoup de monde, mais moins qu'au lac Moraine puis au lac Louise. Puis on a pu sortir le stand-up paddle, puis on a eu vraiment beaucoup de fun à faire ça. Surtout que louer un canot pour 1 heure, c'était 70$, ce que je trouve personnellement très cher juste pour un canot. Quand on compare au lac supérieur, on a loué un canot pour 30$ pour la demi-journée. Fait que c'est un tout petit peu abusé. Puis sinon, on a été voir les Takaka Falls. Je sais pas si je les prononce bien, mais en tout cas, ça a été super beau à voir. C'était assez impressionnant, c'était des chutes immenses. Puis après, on est retourné sur la grande route pour rejoindre la prochaine auberge, qui est le Hitchhike de Athabasca. Qui, cette auberge a l'air d'être un petit peu plus dans la nature, ça a l'air d'être des cabines, je pense sans wifi, sans électricité, tout ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis demain, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. On verra en arrivant et selon les conseils qu'on va nous donner. Puis sinon, il y a un petit truc qui m'a un petit peu chiffonné aujourd'hui. En arrivant sur la grande route pour justement rejoindre Banff à Jasper, on était dans un virage, on roulait. Puis là, il y avait une vingtaine d'autos qui étaient arrêtées dans ce virage. Ça fait que c'était quand même assez dangereux. Puis il y avait tout un regroupement de personnes proches de la voie d'urgence qui regardaient en direction de la forêt. Fait que là, on s'est dit, c'est clair qu'il y a un animal qui est quelque part. Puis effectivement, il y avait un ours, puis il était à peine à 3 mètres du rassemblement de personnes. Puis il n'y a pas de barrière, il n'y a rien là. Fait que moi, ça m'a un petit peu fait capoter, sachant que tu es supposé être à 30 mètres minimum de l'animal pour le laisser vivre, puis ne pas avoir un contact avec l'humain. Puis c'est surtout que tout ça pour une photo, c'est les gens se mettent dans des conditions de danger qui sont juste pas croyables, puis moi ça me fait capoter. Fait que si jamais vous venez ici ou même ailleurs, les parcs c'est pas des parcs safari en fait. Faites juste ne pas vous arrêter dans un virage, faites juste être prudent, puis laisser l'espace qu'il faut aux animaux, parce que là c'était juste stupide. Puis ça m'a vraiment comme énervé de voir à quel point les gens pouvaient être stupides à ce point là. Fait que c'est la seule chose qui m'a un petit peu chiffonnée, mais sinon, mis à part ça, j'ai passé une super belle journée. On a eu quand même du beau temps. Dans l'ensemble, c'était une très belle journée. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should.
should hurry up and seal the deal. Bon matin, aujourd'hui on quitte notre deux petites journées qu'on a passées au Hachai de Athabasca. Pour le moment, je dois vous avouer que c'est mon numéro 1 en termes d'auberge que nous avons testé sur la route avec Hachai Canada. Parce que c'est en plein milieu de la nature, on est dans une toute petite cabine, j'avais jamais expérimenté ce type d'auberge là. Puis je trouve ça vraiment le fun d'être comme au milieu de la forêt, puis d'utiliser que des ressources naturelles pour obtenir l'énergie dont on a besoin au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau. C'était une super belle expérience, puis on a vraiment adoré ça. Hier on a eu l'occasion de faire une petite randonnée qui était vraiment cool, qui était le Wilcox Pass. C'était à peu près 3 heures de randonnée, puis la vue était magnifique sur le glacier, le Columbia Glacier. C'était vraiment super, on a pu aussi aller en bas du glacier pour le voir d'un petit peu plus près. Fait que c'était vraiment une petite rando, je dirais un petit incontournable de la Icefield Parkway, que je vous recommande fortement de le faire. En plus ça fonctionne super bien pour les familles parce qu'elle est vraiment pas dure. Fait que c'était un petit coup de cœur hier, puis aujourd'hui de dire bye à cette auberge, ça nous fend un peu le cœur. Mais là on s'en va tester une autre auberge qui est celle de H.I. Jasper, où on va rester aussi 2 jours. Puis le programme des 2 prochains jours, c'est du programme d'escalade. Fait qu'on va faire du bloc, on va faire de la voie, on a comme tout un programme de prévu. On va espérer que la météo soit avec nous parce que à date il pleut souvent. Puis grimper sur de la voie qui est mouillée, c'est pas le fun. Fait que c'est ça le programme. Puis je suis full excitée, mais je suis aussi triste de dire au revoir à notre petite auberge. You and I, we met a Tuesday morning. Sun high in the sky and I felt free. You did your best and I ignored the warnings. Fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure, I wanted something new. I gave you half my heart and figured there is just no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you. Cause you're never gonna get the best of me. On est en ce moment au Jasper National Park, puis on s'en va faire du block ou du bouldering pour ceux qui parlent en anglais. On a acheté un petit livre hier au Climbing Gear, qui est le seul shop d'escalade qu'il y a à Jasper. Puis on s'est un petit peu renseigné à savoir où est-ce qu'on pouvait faire du block. Puis là en ce moment, il y a un spot qui s'appelle le Tonkin Boulder, puis c'est là qu'on s'en va faire toute la matinée pour grimper. Puis en après-midi, on s'en va faire cette fois-ci de la voie un petit peu sportive avec tout ce qui est ancrage puis moulinette. Puis la place, ça s'appelle Morrow Slabs. C'est à peu près à 26 minutes de Jasper, puis là où on est en ce moment, c'est à 18 minutes, fait que c'est vraiment super proche. Puis ça nous promet une petite journée vraiment le fun parce qu'il fait super beau. Puis on va pouvoir enfin grimper dans les rocheuses canadiennes. Fait que c'est parti! Until I can break these
You and I, we met a Tuesday morning. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get the best of me. Use you, I will use you, I will use you. Until I am strong enough, until I can break these cuffs. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get the best of me. I will use you until I am strong enough, until I can break these cuffs. On est en ce moment sur la route qui nous mène en Colombie-Britannique. On dit au revoir à notre merveilleuse Alberta, puis à notre super beau séjour qu'on a eu dans cette magnifique province. On a eu un énorme coup de cœur pour les Rocheuses canadiennes, sans vous mentir, c'était super beau. La seule chose que je retiens par contre qui m'a rendu un peu l'expérience parfois désagréable, c'est du nombre de touristes qu'il y a partout, puis qui s'arrêtent sur les routes pour aller voir les animaux de trop près. Je rappelle que c'est 30 mètres si c'est une biche ou un cerf ou une chèvre ou genre ce genre d'animal un peu inoffensif. Puis c'est 100 mètres dès que c'est un orignal ou un ours ou un loup ou quelque chose d'un petit peu plus agressif. Puis ça, la plupart des gens, ils le respectaient vraiment pas, fait que ça arrivait vraiment souvent que quand on était sur la route, qu'on voit plein de voitures arrêtées et qu'ils soient à peu près à genre 2-3 mètres, même pas, de l'animal, fait que ça nous a vraiment rendu l'expérience un peu désagréable. Puis il y a deux endroits où on allait, mettons, pour faire de la randonnée ou aller voir des lacs, puis il y avait trop de monde. Puis ce qui est chiant, c'est que ces personnes-là, ben, elles respectaient pas l'environnement, ils jetaient leurs déchets partout, ils y allaient juste pour la photo, sans prendre vraiment connaissance et conscience de l'environnement dans lequel ils étaient. Fait que c'est le seul truc qui nous a rendu un peu l'expérience désagréable, c'est que c'est un endroit qui est magnifique, mais qui est trop rendu touristique, malheureusement. Fait que peut-être qu'on y était aussi pendant la mauvaise période, puis qu'il y a un mois qui peut être plus agréable, mais en tout cas, ça a été un petit peu chiant pour nous. Sinon, au niveau des randonnées qu'on a faites, moi j'avoue que j'ai eu une petite préférence pour le Cory et Edith Pass. La vue était magnifique, puis la randonnée était quand même très très chouette à faire. Un peu physique, mais vraiment une très belle randonnée. Pour les auberges qu'on a testées, fait qu'on a eu Calgary, le HI de Calgary, le HI de Lake Louise, le HI de Banff, et Athabasca et Jasper. Personnellement, moi j'ai eu deux coups de cœur, mais pour différentes raisons. J'ai eu le coup de cœur pour Calgary et le HI de Lake Louise pour l'expérience humaine. On a été super bien accueillis, ça a été génial. Daniel et Linda du HI de Lake Louise étaient trop adorables, puis ils nous ont rendu une expérience comme super nice. L'auberge était super belle aussi, fait que c'était le fun parce que c'était que des gens qui étaient là pour pratiquer du plein air. Il n'y avait pas de party, c'était pas des gens comme qui étaient là pour boire puis avoir une autre expérience. Fait que c'était cool de connecter avec ces personnes-là. Puis le HI de Calgary, ça a été vraiment Jason qui a rendu l'expérience super nice aussi. Il nous a tellement bien accueillis qu'on est reparti de là, on était comme oh, il va nous manquer. Mais il était quand même cool. Puis je pense que ça a été le coup de cœur de Gab aussi sur les auberges qu'on a testées. Bon, ben, surtout Calgary parce que c'était aussi au niveau de l'organisation de l'auberge aussi. C'est tout est bien marqué, tout est organisé, la cuisine, tout est super bien identifié, les chambres, tout est propre. Puis, ouais, la Louise aussi parce que tout était fait pour avoir une bonne expérience aussi. Là. Puis il y avait un nouveau bloc qui était fait aussi, qu'on n'a pas dormi là, mais c'était un nouveau bloc qui était tout aussi propre, tout aussi bien organisé. Il y avait un espace pour les enfants et tout, pour les familles. Puis ouais, la petite déception, c'était à Banff parce que bah, niveau accueil, c'était moyen. Ouais, Banff malgré que l'auberge est super belle.
On a quand même été accueillis par Lewis, le co-manager de l'auberge. Mais dans l'ensemble, on n'a pas eu une super belle expérience du fait que ce soit plus des gens de party qui étaient là. Il y avait du bruit partout. C'était assez... c'était un petit peu décevant par rapport à ça. Puis la ville en tant que telle aussi, qui nous a vraiment écœurés à cause du nombre de touristes. On n'a pas eu... je pense qu'il y avait tellement du monde qu'on n'a pas pu avoir une expérience humaine agréable. Mais je pense que s'il y avait moins de personnes, ça aurait été différent aussi. Lewis a quand même été super adorable avec nous et puis nous a quand même pris le temps d'expliquer ce qu'il avait le temps d'expliquer. Mais ça n'a pas été le gros coup de cœur en termes d'expérience. Fait que c'est pour ça qu'en Calgary, pour Gab, c'était son petit coup de cœur, la Clouse aussi. Puis moi, mon deuxième coup de cœur que j'ai eu pour vraiment l'expérience un peu originale, ça a été Athabasca. J'ai trouvé que c'était vraiment cool d'avoir une auberge dans des toutes petites cabines, perdues au milieu de la forêt, puis en plein milieu des montagnes. J'avais jamais vécu ça avant. Puis je trouvais ça vraiment très original. Ça a été super agréable de dormir ici. Puis tout était fait avec de l'énergie renouvelable au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité. On a été agréablement surpris par l'ambiance aussi des personnes qui étaient là. C'était très solidaire, très convivial, très chaleureux. Puis moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Pour le hitchhike de Jasper, on a aimé aussi. C'est juste que c'était un nouveau building, c'est une nouvelle auberge. Fait qu'ils n'ont pas encore pris le temps de trouver leur marque puis leur identité. Fait que je pense qu'on leur donne une couple de mois puis on va pouvoir définir vraiment qu'est-ce que ça va être comme type d'auberge. Mais le complexe est super beau, full high-tech, full moderne. La luminosité est malade. Puis le petit café qu'il y a dedans est vraiment cute. Fait que, ouais, faut juste savoir définir à peu près quel type d'auberge ça va être, mais c'était quand même super agréable de dormir là-bas, puis on remercie beaucoup Hitchhike Canada de nous avoir donné l'opportunité de tester ça. Canmore, ça a été pour moi mon petit coup de cœur en tant que village de montagne. Banff, j'ai vraiment pas aimé. Jasper, je trouvais qu'il y avait pas tant de choses à voir que ça. On fait vite le tour. On fait très vite le tour, ouais, c'est ça. Alors que Canmore, c'était super cute, c'était beau, puis il y avait une communauté de van life qui était là, fait qu'il y avait des vans partout. C'est là qu'on a rencontré aussi Jérémy et Claire, puis ces deux personnes-là ont été extraordinaires, puis on les aime vraiment beaucoup, et on espère garder contact avec eux. Mais ça a été une super belle expérience. Pour moi en tout cas. Calgary c'était beau aussi. On aurait peut-être aimé passer une journée de plus pour pouvoir mieux découvrir la ville parce que ça a été vraiment short and sweet. Mais dans l'ensemble, notre séjour en Alberta, ça a été pour le moment un coup de cœur malgré tout ce qui s'est passé avec la crevaison, le petit lapin qu'on a sauvé, les touristes. Mais c'était quand même une super belle expérience pour nous deux pour le moment. Puis j'ai bien hâte de voir ce que la Colombie-Britannique nous réserve. Surtout que ça va être le dernier épisode de la saison. Puis après, on entame les États-Unis où là, il n'y aura pas d'épisode parce que ça va être fini. Puis qu'il faut qu'on prenne un break de vidéo aussi. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez aimé l'expérience, puis aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, mettre un petit pouce, à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, puis aller vous abonner à mon Instagram, mon Facebook pour avoir plus d'aventures en photo. Moi, je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et le dernier épisode en Colombie-Britannique avec plein d'autres aventures qui s'en viennent, d'autres activités plein air telles que du surf. Soyez au rendez-vous, ça va être un super bel épisode de clôture. Je vous fais encore plein de bisous et je vous dis à bientôt les voyageurs!